Peut-on chiffrer la musique? Peut-on convertir l'émotion, la justesse en points? Peut-on chiffrer quoi que ce soit dans l'activité humaine? Puis classer, premier, deuxième, dernier. Hier, concours. Musique. Point. Déception. Quel sens cela a-t-il de terminer au bas du classement quand on a fait de la musique, quand on a eu du plaisir à faire de la musique, quand on a travaillé d'arrache-pied pour éprouver des émotions profondes liées à cette musique-là? Bien sûr, on se rend compte de la marge de progression. Quand on est au bas du classement, on se dit qu'on fera mieux la prochaine fois. Ou on se dit qu'on n'est peut-être pas dans le bon niveau, dans la bonne catégorie. Mais ce qui ne se chiffre pas, c'est le plaisir de faire de la musique ensemble. C'est le plaisir de créer à partir de rien, à partir de ces petites taches noires sur des feuilles blanches, à partir de ces instruments que chacun d'entre nous maîtrisons plus ou moins, de créer quelque chose qui soit une machine à rendre plus belle la vie. Et ça, même quand on est au bas du classement, si on a réussi à trouver ce plaisir-là, ce sens-là, alors, on a réussi. Alors, on peut se dire, tant pis pour le classement. Fondamentalement, la musique n'est pas chiffrable. Parce que ce qui se passe à l'intérieur, le processus pour construire un groupe qui fonctionne, le processus pour faire en sorte que ce qu'un autre a imaginé dans sa tête soit notre musique aussi, ce processus-là, qui est au fond le même processus dans tous les domaines, de réussir à transformer l'apport extérieur en force intérieure, si on y parvient, alors on est vainqueur. La musique ne devrait jamais être chiffrée, pas plus que les arts. Que la vie. Cet après-midi, je vais faire mon boulot de prof, d'expert. Les gens seront en face de moi, ils me raconteront des choses. Je devrais mettre un chiffre. C'est une responsabilité terrible. Ce chiffre-là peut déterminer l'avenir de ces gens. Je dois le faire, mais est-ce que cela a un sens? Là aussi, qu'est-ce que je note? Qu'est-ce que je chiffre? Est-ce que je chiffre un moment précis,
une performance précise? Est-ce que je chiffre une évolution? Est-ce que je chiffre une attitude? Mais tout ça, est-ce chiffrable? Toujours la même question. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on met des notes à tout. Vous partez en voyage, vous notez la chambre d'hôtel, le restaurant, le magasin, vous notez tout. Vous transformez tout en chiffres. Or, les chiffres sont un langage pauvre pour dire ce qu'est la musique, pour dire ce qu'est la vie, pour dire ce qu'est la réussite d'un examen, il faut des mots. Il faut trouver l'adjectif qui colle précisément à ce qui se passe. C'est beaucoup plus difficile que de chiffrer, mais c'est beaucoup plus juste et c'est beaucoup plus précis. Les mots sont plus précis que les chiffres. Bref, le bas du classement, chiffrer, c'est une chose. Les mots pour dire ce qui va et ce qui cloche, c'est une autre chose. Et c'est là que l'on apprend vraiment, quand on est capable de transformer les chiffres.